你来北京多长时间了？我来北京3个月了。他们结婚多长时间了？他们结婚3年了。Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane. 大家好，我是 Liliane。Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre comment demander la durée en chinois. Tout d'abord, je vais vous donner la structure de la phrase. Sujet plus verbe plus d'autres choses.Plus 多长时间了？多长？多长？现在第二个 quelle longueur？ 多长时间？时 deuxième temps， 间 premier temps， 时间 c'est à dire le temps。多长时间？ c'est à dire quelle longueur de temps？ ou on peut dire depuis combien de temps？Le est une particule pour indiquer qu'il y a un changement d'état ou de nouvelles situations. Par exemple, 你来北京多长时间了？你来北京多长时间了？你 c'est le sujet, tu, 来 来 c'est le deuxième temps, c'est-à-dire venir. 北京 c'est la capitale de la Chine. 北京你来北京 plus多长时间了？多长时间了？ On peut traduire en français, c'est depuis combien de temps? 你来北京多长时间了？ Tu es venu à Pékin depuis combien de temps? 你来北京多长时间了？ Un autre exemple, 你学跳舞多长时间了？你学跳舞多长时间了？你 c'est le sujet.学学习的 deuxième temps, c'est-à-dire apprendre, 跳舞跳 quatrième temps, 舞 troisième temps, 跳舞跳舞 c'est-à-dire danser, 你学跳舞 c'est-à-dire tu apprends à danser, 你学跳舞 plus 多长时间了多长时间了 depuis combien de temps, tu apprends à danser depuis combien de temps, depuis combien de temps apprends-tu à danser?你学跳舞多长时间了？你学跳舞多长时间了 ？Un autre exemple， 他住在巴黎多长时间了？他住在巴黎多长时间了？他 c'est le sujet c'est à dire il 住在住住 c'est le quatrième temps c'est à dire habiter 在 c'est le quatrième temps c'est la préposition en français c'est à他住在巴黎巴黎、c'est la capitale de la France, c'est Paris. 他住在巴黎 il habite à Paris, 多长时间了 depuis combien de temps? 他住在巴黎多长时间了 ?Un autre exemple, 他们离开上海多长时间了他们、elle, pluriel, d'accord? 他们离开离开、离 deuxième temps, 开 premier temps, 离开 c'est-à-dire quitter, 上海上海 c'est 上海他们离开上海 ils ont quitté Shanghai, 多长时间了 depuis combien de temps, donc, elles ont quitté Shanghai depuis combien de temps?他们离开上海多长时间了 ？Le dernier exemple， 他们结婚多长时间了？他们 il pluriel， 他们结婚结 deuxième temps 婚 premier temps 结婚 c'est-à-dire se marier， 他们结婚 ils sont mariés 多长时间了 ？Depuis combien de temps？ 他们结婚多长时间了？Ils sont mariés depuis combien de temps? 他们结婚多长时间了? Comment répondre à ces questions? Par exemple, 他们结婚多长时间了? 他们结婚三年了。他们结婚三年了。Ils sont mariés depuis trois ans. 三年了。三年 c'est la durée, d'accord? Trois ans. 三年。三 premier temps c'est trois 年 deuxième temps c'est année donc ils sont mariés depuis trois ans 他们结婚三年了你来北京多长时间了我来北京三个月了三个月三 c'est trois
Que, c'est le classificateur pour les mois. Yue, yue, c'est-à-dire mois. Donc, 3 mois, 3 mois. Donc, je suis venue à Pékin depuis 3 mois. 我来北京三个月了。你来北京多长时间了? 我来北京三个月了。 Maintenant, je vais vous poser une question en français et vous écrivez en chinois, d'accord? Tu apprends le chinois depuis combien de temps? Écrivez la question en chinois en commentaire et vous pouvez également répondre à cette question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un pouce en haut et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo. Merci beaucoup, merci de regarder cette vidéo. À la prochaine. Salut!